J'ai commencé à l'âge de 15 ans à rapper avec un pote d'enfance du quartier. Et on commençait à faire ça sur des iPods et tout, des MP3 comme ça. Et j'ai pas vraiment de but précis pourquoi j'ai commencé, à part que j'ai toujours kiffé la zik depuis que je suis gosse. J'ai même fait du chant et des trucs rien à voir, de la danse. Je suis passé partout. Et donc voilà, après ça m'a amené au rap. Voilà la vibes du moment, j'en sais rien. Et maintenant je suis dedans et je lâcherai pas quoi, tu vois. L'écriture, ça va paraître un peu banal, mais depuis que je suis gosse à l'école et tout en français, c'est ça que je maîtrisais le plus. Les maths, faut pas m'en parler. Et donc voilà, l'écriture, tout ce qui est faire des syntaxes, des bazars comme ça j'ai toujours kiffé. Donc l'écriture, ça vient limite de l'école. Ça apprend des choses, l'école. Et voilà. Puis sinon, pour le flow, j'ai commencé à rapper mes textes comme ça avec mes potes. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose à un peu apprendre là-dedans. Et puis c'est tout, et puis c'est venu comme ça, j'ai rencontré des gens un peu dans le milieu, et voilà quoi, et maintenant je suis toujours dedans. Donc voilà. Principalement le rap français, parce qu'il n'y a rien à dire, rap français ça reste du lourd. Et principalement Medine, que je kiffe, que je surkiffe. Pour moi numéro 1, Medine, puis allez Youssoupha, Sexion d'Assaut, tous des gens qui ont des punchlines en même temps du flow vraiment, qui sont lourds. Puis il y en a pas mal que j'aime bien, mais je pourrais pas tous les citer. Rap américain, ça peut paraître un peu mystique, mais c'est un que je surkiffe, c'est Eminem, parce que Eminem, dans les textes, parce que même moi, on m'a toujours dit les textes américains, c'est vraiment de la rigolade, enfin, ils sont là, bang bang, du bling bling comme ça. Mais Eminem, puis il y a toujours eu, j'ai vu des traductions, il y a toujours eu un fond dans ce qu'il dit Eminem. En plus, le flow, il s'est passé du comique à du hardcore comme Lose Yourself. Et franchement, Eminem, sinon les autres, ouais, à écouter comme ça, quoi. Mais je vais pas m'attarder dessus, quoi, la vérité. En tout cas, ça fait plaisir de voir que le rap belge, le milieu belge, hip-hop bouge bien. Bon, on n'est pas encore tous dedans, mais ça commence à. On ouvre des portes. Et en tout cas, ce que vous faites, vous, franchement, je dirais que j'ai dit oui, parce que c'est un bon concept qui aide les jeunes, qui aide tout le monde, même des types un peu moins jeunes, plus connus déjà, ils viennent. Parce que ça, c'est des gens qui sont vraiment pour la musique, pas pour je rappe avec ci, avec ça, alors lui est passé ou pas. Non, moi, je m'en fous, tout le monde est là, on fait de la musique, on fait ce qu'on aime. Puis votre accueil, tout le bazar, tout ça, j'ai kiffé. Franchement, bonne journée, bon souvenir. Voilà, franchement, respect. Faut continuer comme vous faites, faire évoluer le biz comme ça. Et si je dois lâcher un mot, votre SBL, respect. Sinon, voilà, rien de spécial à rajouter. On arrive, l'album, ah ouais, le plus important, je le dis pas. Ben, l'album qui arrive, qui va s'appeler C'est Laser, parce que ça a tout un rapport avec Star Wars, il y a tout un lien dans l'album. C'est un truc vraiment, il faut, c'est assez recherché, sans me vanter, c'est assez recherché parce que j'y travaille depuis longtemps. Ça va être le premier projet que je vais sortir vraiment bien concrétisé dans les bacs normalement, Inch'Allah comme on dit. Et donc voilà, et pour 2010, on arrive, c'est nous 2010, Disciple, Creative Beat, tout le bazar, Brahms, on est tous là, la clique arrive. Sinon j'ai le MySpace, donc myspace.com. Donc la barre, je sais pas comment, un slash, disciple, 10-20, donc disciple avec 10, c'est compliqué, 1-0, SIPL, 10-20, direct, puisque je viens du 10-20.